Good morgen, allez, Iden, les Suisses, aujourd'hui, le Lunishmat Richard Ben Fortune Mazal et Claudie Israël Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez vous suivre notre chaîne étude de Mishnah, contactez le 5e Mishnah éternel. Nous étudions le Sahel Beitza, Périgimel, Mishnah Dalet. Bechor, Shnafal, Labor. Rabbi Yehuda Omer, Yered, Mumche, Veyre. Im Yashbo Mum, Yale, Veishchot. Veim Lav, Lo Ishchot. Rabbi Shimon Omer, Kol She'en Mumonikar, Mi Bordiom, Enze, Minamuchan. De manière générale, un béchor, un premier-né d'un animal qui naît, en théorie, c'est un korban qu'on ne peut pas consommer, qu'il faut nécessairement apporter au Kohen, et que le Kohen le fera en korban. D'accord? Ça, c'est quand c'est un béchor normal. Maintenant, le Kohen, à notre époque, en l'occurrence, on a encore d'autres solutions à notre époque, mais en tout cas, quand il n'y a pas de bétamidash, alors on va donner ce béchor au Kohen, mais pour le moment, qu'est-ce qu'il va faire le Kohen? Il peut en faire un korban. Il doit patiemment attendre que le Bechor va avoir de lui-même un défaut qui va lui naître, qui sera plus apte à être offert en Korban, et dans ce cas-là, il pourra lui faire la Shrita et le consommer pour lui-même. D'accord? Et tout d'Alchot, plein de d'Alchot qu'on apprenait dans la Sechet Bechorot. Pour notre propos, donc, il s'avère qu'on a maintenant un Bechor que l'on attend, qui va avoir un Moum, un défaut. Alors la Mishnah, maintenant, elle va s'intéresser à une question intéressante, à savoir... On va prendre d'abord un cas plus élémentaire. Imaginez un Bechor. Donc, pour le moment, le Kohen fait grandir chez lui un Bechor qui ne peut pas consommer. Et au beau milieu de Yom Tov, le Bechor va avoir un vrai défaut. Il va avoir son oreille qui va se faire inciser, sa lèvre, de manière à ce qu'elle soit plus apte à être offert en Korban. Donc l'animal en théorie devient permis. Sauf que, à Yom Tov, en théorie, il pourrait faire la Shrita de n'importe quel animal, mais à condition qu'il l'a préparé. Qu'il avait une intention de consommer auparavant. Or, l'animal Bechor, avant Yom Tov, il n'était pas apte à la consommation. Il est donc, pour le moment, mukté. Donc, il n'a pas le droit de consommer. Nouvelle situation, en fait, c'est qu'on va parler que le Bechor, il avait un défaut initialement, mais qu'il n'a pas encore... Alors, j'ai oublié d'introduire une petite notion. C'est que pour pouvoir permettre un Bechor avec un défaut, c'est pas n'importe qui décide. Faut être un vrai et attesté par les rabbanim, d'accord, comme une théouda, comme un certificat d'être apte à regarder les bechorot. Du coup, on n'en trouve pas tous les coins de rue, les gens qui savent regarder les défauts des bechorot. Alors la Mishnah maintenant elle va nous parler qu'est-ce qui se passe si toutefois le défaut il était là depuis avant la fête. Et il s'est fait par exemple inciser l'oreille. Mais j'ai pas pu le montrer au mumché, ça s'appelle au mumché à l'expert. Pour qu'il me dise, c'est bon, tu peux le consommer. J'ai pas eu le temps. Ce qui se passe, c'est que maintenant, cet animal, pendant Yom Tov, tombe dans un puits, par exemple, et il est donc dans un trou, et puis, si on se dépêche pas de lui faire la shrita, il va mourir de lui-même. Alors la Mishnah, on a pris ce cas extrême, en fait, pour nous apprendre surtout le chidouche de la Seifa. Pour le moment, la Mishnah me dit, Bechor, je n'ai pas le labor. Un Bechor qui est tombé dans un puits, donc, qu'il va falloir vérifier s'il a un défaut ou pas, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda pense, Yered Mumche Veire. Le Mumche, l'expert, va descendre dans le puits et va le constater, l'observer pour voir quelle est la nature de ce défaut. Im Yesh Bo Mum, s'il a un défaut qu'il est à présent apte à faire la Shrita, que Bartenois précise, selon la Gemara, il certifie que c'est un défaut qui était là depuis avant Yom Tov, eh bien, Yalev Ishrot, il pourra remonter l'animal et lui faire la Shrita. D'accord, même si ça réclame, ça requiert une grande fatigue pour le remonter, malgré tout, ce sera permis. Sinon, il va perdre l'animal s'il reste en bas. Vimlav, par contre, si le rave voit le défaut qu'il avait, je m'ai dit qu'il avait l'oreille incisée, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, il a une patte cassée, mais la patte cassée, c'est à cause de Yom Tov, ça ne peut pas nous permettre de faire un shrita. Mais tu m'as dit qu'il avait l'oreille incisée, je regarde l'oreille, je dis non, c'est pas encore bien. D'accord? Donc ça c'est Vimlav, et sinon, eh bien l'Oishrot, il ne pourra pas lui faire la Shrita, si, même si l'animal risque de mourir de lui-même, et qu'à présent il a une patte cassée aussi. Et qu'en théorie, on devrait lui faire la Shrita depuis tout de suite. Mais pendant Yom Tov, il n'aura pas le droit de le faire, parce que l'animal n'était pas apte à la consommation depuis avant Yom Tov. Ça c'est le premier avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dit, « Kol shen mumon ikar mi bod yom, tout animal qui n'a pas son moum, son défaut, qui a été reconnu et attesté et approuvé, depuis avant Yom Tov, eh bien, Enze Minamuchan, il ne sera pas, il ne fait pas partie, littéralement, il ne fait pas partie des objets qui sont
prédisposés à ton utilisation. Soit apparemment, Rabbi Shimon me dirait, non, là il y a un vrai problème de moukté. Si toutefois tu n'as pas certifié auprès d'un rav que l'animal était apte à la consommation depuis avant Yom Tov, donc tu n'as pas encore l'intention de le consommer, tu y penses pas franchement, et il est inapte à la consommation pendant Yom Tov, ça c'est apparemment. Soit, donc en fait je récapitule d'abord pour le moment où est-ce qu'on en est, on a en fait une requête Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon qui s'intéresse sur, qui parle du cas où on a un animal qui avait un défaut depuis avant Yom Tov, qu'on n'a pas encore montré au rav, et que pendant Yom Tov, on veut, maintenant on a une urgence, de vite lui faire la shrita, sinon il va mourir de lui-même. Rabbi Yehuda permet de le montrer et de s'appuyer sur le défaut qu'il y avait depuis avant Yom Tov, étant donné que concrètement, on avait l'intention de le consommer parce qu'on s'est dit qu'on allait le montrer au rav et que le rav allait décider. Et d'après Rabbi Shimon, eh bien non, on ne pourra pas le consommer. Maintenant, pourquoi précisément on ne peut pas le consommer d'après Rabbi Shimon? Tel que c'est rapporté dans la Mishnah apparemment, c'est parce que c'est justement pas Mouchan. Mouchan, c'est le contraire de. L'eau Mouchan, c'est-à-dire c'est le contraire de. Mouchan, c'est le contraire de Moukse. Moukse, c'est quelque chose qu'on exclut de l'utilisation. Mouchan, c'est quelque chose qui est prêt à être utilisé. Donc, Rabbi Shimon apparemment me dit que c'est pas Moukse, que c'est Moukse, il est parce que tu n'as pas l'intention de consommer, franchement. Ça, c'est en apparence. Mais c'est pas vrai, parce que Rabbi Shimon, de manière générale, dans les Chot Moukse, c'est le plus grand Mekel. Selon Rabbi Shimon, il n'y a presque pas de cas de Moukse. C'est assez vaste, on parle longuement dans mon Shabbat, ça n'est pas mon propos. Mais du coup, le Bartanoura, il précise que le problème de Rabbi Shimon, c'est pas un problème de Moukse, c'est Rashi qui explique comme ça. Mais le problème de Rabbi Shimon, c'est un autre problème de trancher une halakha et permettre quelque chose qui est interdit pendant Yom Tov. C'est en ça que c'est pas Mina Mokhan. Le Dayan, un juge, n'a pas le droit de trancher une halakha pendant Yom Tov, de faire qu'on va se mettre à écrire, il y a des décrets, pourquoi. Et du coup, puisque on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de certifier, on ne va pas te permettre non plus à l'oral de faire quoi que ce soit, de peur que, à la longue, on va se mettre à écrire. On a interdit, comme on a interdit le commerce, de peur qu'on va écrire, on a interdit aussi de trancher des halakhot, de peur qu'on va se mettre à écrire, et c'est la raison pourquoi, selon Rabbi Shimon, on ne peut pas consommer cet animal. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.